Bonjour les filles, on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour une vidéo swap. Donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et là je l'ai fait avec Véro, donc j'en avais déjà fait un avec elle, c'est la première avec qui j'avais fait un swap d'ailleurs, donc je vous remets ce qu'on avait fait la première fois en barre d'infos. Donc pour le thème, on avait 10 catégories, il y avait maquillage, soins, cheveux, bijoux, déco, accessoires, je ne sais plus trop quoi. Et on devait mettre un mauve et un turquoise par catégorie. Donc là, j'ai lu sa petite lettre et il y a un menu. Et par contre, je vois que ça va que jusqu'à 11. Et normalement, il faut 20 paquets. Donc là, je suis en train de lui demander en même temps si elle ne se serait pas trompée. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, numéro 1, il faut le trouver. Je vous abandonne 2 minutes, je vais tout sortir et les classer par numéro. Donc en fait voilà, j'ai eu la petite précision, en fait elle a mis à chaque fois le même produit en violet et en turquoise. La pauvre, elle a dû en chier grave pour trouver le même produit dans les deux couleurs, parce que déjà un, c'est pas toujours simple. Donc numéro 1, mon préféré c'est le violet. Donc on va commencer par le violet. Donc il y en a deux, hein. Voilà comment ça se présente. Donc c'est des gels douche et vu la forme, je dirais Ushuaïa, et je n'en ai jamais testé. Donc, le violet. Alors, c'est le touche massage délassante relax à l'huile essentielle d'Ylang des Comores. Voilà comment ce qui se présente. Et l'odeur. Ah oui. Il sent bon. Donc je vais tester ça parce que j'ai jamais testé les Ushuaïa, en espérant ne pas être allergique. Et en bleu, donc moi j'ai pas du tout fait comme ça, moi j'ai mis un produit violet pour la catégorie gel douche, un autre produit bleu. Donc vous aurez les photos de toute façon pour voir quelle est la reçue. Alors, shampoing et touche, fraîcheur intense, minéraux marins des Arctiques. Oui, Arctique. Donc c'est celui-là. Ah oui, c'est l'odeur. J'aime moins tout ce qui est marine, moi. Mais au pire, les enfants ou le mari se serviront. Alors, le numéro 2, tu devrais bien t'amuser, lol. Donc, c'est 2 petits paquets comme ceci. Du tout, ça s'appelle. Ah oui, d'accord. Là, je vais ouvrir les deux parce qu'à mon avis, c'est les deux mêmes. Oui, je suis sûre que c'est les deux mêmes parce qu'elle s'est embêtée. Chaque fois chercher les deux couleurs des mêmes produits. Donc ce sont 2 palettes modélites, une violette et une turquoise. Donc la bleue c'est la Atlantique et l'autre c'est la pure violine. Donc j'ai quand même en swatché un pour voir ce que ça vaut. J'ai jamais testé les fards modélites. Ah ouais, il y a des couleurs assez sympas. Ça fait tomber. Bon, ils sont un peu poudreux, mais ça n'a pas l'air catastrophique. Bon, ils ont l'air bien pigmentés. Hein. Je testerai ça, merci, merci, on va essayer. Alors, les numéros 3, tu vas prendre encore plus soin de toi. Donc, c'est 2 gros bidons comme ça. Donc, je vais les déballer tous les deux. Hein. Ah. Alors j'ai A parce que c'est super, hein, c'est des gros bidons et tout. Je suis allergique à la marque Biface. Voilà. Tous leurs produits me donnent des plaques, donc pas tous ceux que j'ai essayés. Maintenant à l'aloe vera bio, peut-être que celui-là ça devrait aller. Et l'autre, vu que c'est un lait, peut-être que ça pourrait aller aussi, mais
Je sais pas si j'ose en fait. Ils sont bons, hein. Donc voilà, c'est super gentil, c'est super bien pensé, mais franchement, j'ai un peu peur de le tester vu que tous les produits que j'ai testés dans cette marque-là, je suis allergique. Bref. Les numéros 4, tu vas être belle comme toujours. Oh, merci. Donc, ça peut être des bijoux. Je vous montre les deux après. Hein. Elle a trouvé les... Incroyable. Elle trouve le même style dans les deux couleurs. Donc, c'est deux paires de boucles d'oreilles. Alors, attendez, j'arrive à les mettre à l'endroit, celle-ci. Voilà. Deux paires de boucles d'oreilles rondes, comme ça, une bleue et une mauve. J'en ai pas des grosses rondes comme ça. Donc voilà, ça me donnera l'occasion d'en mettre. Merci, merci. Alors, les numéros 5 en dégradé, ça devrait être bien sympa. Donc les 5, ça doit être des vernis. Il y en avait 11 aussi. Et c'est des Maybelline. Ah ouais, celui-là, la couleur, c'est vraiment pas. C'est une couleur que j'ai pas tenue jusqu'à 7 jours. Bah écoute. Bon. Celui-là, je crois que je l'ai déjà. Il faudra que je vérifie, mais celui-là, je crois que je l'ai déjà, le bleu. Mais le mauve est trop sympa, je l'ai pas. Il y a des reflets dedans, c'est un, ouais, je sais pas, un peu pétrole comme ça, ça fait comme les mares de pétrole. Donc, merci, merci. Celui-là, je vais vérifier avant si je l'ai ou pas, avant de le déballer, parce que c'est un peu dommage de le déballer si je l'ai déjà. Alors, le numéro 6, en déco, c'est top. 6, 6, 6. Donc, c'est des petits comme ça. On ne peut pas dévoiler. C'est des sachets de plumes mauve et turquoise. Donc il y en a 20 et c'est tendance des fêtes. Donc je ne sais pas du tout où elle a trouvé ça. Mais voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, c'est toujours utile quand on fait des petits bricolages comme moi j'aime bien faire. Donc, les numéros 7. J'ai bien aimé la bleue. Donc à mon avis, ça va être deux bougies bouboules. Donc voilà, c'est deux bougies en forme de bouboule. C'est la bougie combustion 14h, mais je ne sais pas d'où ça vient non plus. Donc voilà, les bougies, on n'en a jamais assez. Alors, les numéros 8, j'espère qu'ils ne seront pas trop grands. Numéro 8, c'est des paquets comme ça. Et donc, c'est deux t-shirts. Des t-shirts basiques hein, avec un beau col en V comme j'aime bien. Donc trop grande, non, trop petit peut-être. On verra bien.
Mais je vais essayer le bon même pur, je les mets pour dormir. Parce qu'XL, ça fait des fois un peu peste, ça dépend d'où ça vient. Et le turquoise. Voilà, merci, merci. Je ne sais pas si tu as déjà testé ce genre-là. 9, 9, 9, 9, c'est les cadets. 9. Il est tout piqui-piqui. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je n'ai plus les catégories en plus. Donc Ah, c'est des bents. Et en plus, j'en cherchais des comme ça, des toutes simples comme ça, pour quand je les entoure dans un. Pour faire mes bouclettes la nuit. Parce que les autres, ils me. Oh, celui-là, il est cool. Il est canon. Il est torsadé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est canon, celui-là. Merci. Encore un peu de déco. Attention, ça casse. Numéro 10. Et le numéro 10, c'est celui-là. Je mettrai les bougies coucou déjà. Vous avez deux petits pots comme ça. Ah, pour les étiquettons là pour soin. Et les bougies coucou, je ferai rentrer en temps. Oui. Hein. Et dernier, le numéro 11, à toi de voir comment tu veux t'en servir, maquillage, téléphone ou autre. Et c'est des petits chaussons comme ça. J'ai fini de déballer, donc merci à toi ma cocotte, voilà, tu sais à quel point je t'adore, je te remercie encore une fois d'avoir accepté ce deuxième swap avec moi, et voilà, c'est vraiment dommage pour les produits biphase et pour le vernis que j'ai déjà, c'est dommage qu'on n'a pas compris de la même façon le thème toutes les deux. Moi je t'ai mis beaucoup de, enfin je t'ai mis des choses différentes par couleur, donc tu verras bien, et voilà, pour les curieux, je vous mets en barre d'infos le lien pour aller voir le montage photo vu qu'elle ne fait pas de vidéo, donc je vous ferai un montage photo de ce que je lui ai envoyé. Le prochain swap, ça sera avec donc ma partenaire Héloïse, qu'il est prêt, on n'a plus qu'à se les envoyer, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.